bienvenue à Beautiful You. J'espère que tout le monde est assis, tout le monde qui a la folie de la sape, personne élégante, les foufous comme moi. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui, nous recevons pas n'importe qui. Vous allez voir, nous recevons Léona Châtelain. Donc les filles, restez scotchées. Léona, bonjour. Bonjour Elena. Comment tu vas? Très bien, je profite d'abord pour dire bonjour aux téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Tout à l'heure, on évoquait la jeune féminine qui est friande, évidemment, du vestimentaire. Je dois dire que je me porte plutôt très bien. Ça commence bien. Le fait de rencontrer la rayonnante Elena, c'est un coup de frisson personnel qui traverse l'écran. Et je suis sûr qu'on passera d'excellents moments ensemble. Avec toi, on va se passer, ça c'est sûr. Dis-moi, comment est-ce que tu as découvert Beautiful You? Ça s'est passé comment? J'avoue que je suis un as de la zapette. Chaque fois, je vais chercher le bon programme. Je suis un peu de ceux qui restent devant les programmes pendant quelques 5 petites minutes. Je reste 5 minutes, c'est pas intéressant, je zappe. Et puis un soir, je tombe sur une silhouette qui magnétise l'écran. Je me dis, c'est qui cette fille? Est-ce que c'est une émission du Cameroun? On me dit que ouais, c'est une émission du Cameroun. Alors je regarde bien, c'est la chaîne Vision 4. Et puis je me dis, bon, je reste là pour voir peut-être que, avec le changement intervenu au niveau du management, il y a certainement une nouvelle offre de programme. Alors je reste dessus. Et coup de chance et coup de bonheur, c'est le footballeur de tous les temps, la plus grande légende qui est invitée, c'est Roger Milla. J'ai dit, alors je reste là. Bonsoir, Excellence Roger Milla. C'était du bonheur, une très grande émission avec une sublime Elena. Ça fait plaisir de savoir que Beautiful You est suivi par des personnes de renom comme toi, surtout qui connaissent l'habillement et qui apprécient les bonnes choses. Bon, connaître, je ne sais pas si on connaît, mais on s'arrange mais chaque jour, évidemment, être présentable parce que. On est très souvent conviés, non seulement au-delà de nos maisons, à croiser du monde, à croiser le regard de la société. Et rien que pour ça, bon, enfin, il faut déjà être bien habillé le matin, être bien habillé le soir. Parce que j'ai parfois l'impression que les Camerounais pensent que s'habiller, c'est uniquement en tenue de soirée. Ah, c'est vrai. Alors qu'il faut déjà être habillé en journée pour bien s'habiller le soir aussi. Ça, c'est vrai. Vous avez écouté ça, c'est vrai. C'est une très belle remarque, ça. Mais c'est comme toi ce soir aussi, je veux dire que monsieur vert bouteille et cette coiffure en double ton. Oh là là, que de jolis compliments, merci. On avait dit la raison est Hélène, non la raison est Elena. Oh, je rougis ou je noircis, là, je ne sais plus, mais je suis... Reste Elena. Nous n'avons pas le dressing là, mais à te voir seulement, on imagine le fameux dressing, beautiful dressing que tu peux avoir. Comment l'organises-tu? C'est toi-même ou bien tu as quelqu'un qui t'aide? Il faut dire que tous les hommes en général sont des désordonnés. Hein. Heureusement qu'il y a toujours madame qui fait un petit tour pour remettre tout dans l'ordre. Parce que parfois dans un rush, on arrive dans la garde-robe, le dressing, on prend une chemise qu'on laisse tomber, on prend une deuxième, une troisième, parce qu'on cherche la chemise, Avec grand Z, évidemment, pour pouvoir donc élaborer. Et donc, c'est un dressing qui est très souvent chamboulé, heureusement, et qui est remis à l'endroit par ma chère et tendre épouse. Coucou, merci. Merci, chérie. Ça te prend combien de temps pour savoir que tu vas mettre tel nœud papillon, telle chemise, telle chaussette telle chaussure, ça te prend combien de temps? Je m'habille très rapidement, je m'habille en 45 minutes, j'ai terminé. Mais je pense à mon habillement longtemps à l'avance. Ah oui. Voilà. Parce que ceux qui sont très souvent portés à perdre du temps le matin, c'est parce qu'ils n'ont pas préparé la veille. Il faut préparer son vêtement la veille, il faut préparer le vêtement par rapport au chronogramme de la journée, quelles sont les personnes qu'on va rencontrer, quels sont les milieux évidemment dans lesquels on va s'investir. C'est fort de ces paramètres-là, ces données qu'on essaie de se projeter sur le plan vestimentaire. Donc, s'habiller, c'est d'abord concevoir son vêtement. On conçoit sa tenue en fait. On conçoit sa tenue, on se dit, j'ai rendez-vous avec Elena, ça sera un rendez-vous plein air, mais qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas mettre en costard quand même pour arriver à 21h devant les spectateurs qui, eux, sont assis à la maison avec de belles chemises, en tenue de maison et débarquer avec un smoking, non loin de là. On choisit donc évidemment une tenue relax pour être là et être raccord avec les valeurs du programme.
fois que j'ai à te voir, tu es toujours bien habillée, que ce soit en jean, en chemise, en t-shirt. Mais est-ce que c'est arrivé de porter des choses, c'est-à-dire, comme je dis toujours, des culottes déchirées, des pantalons déchirés, des chemises, c'est pas... Il y a une tendance là, des t-shirts déchirés, destroy. Destroy. Oui. J'avoue que j'aime voir des personnes en destroy, mais moi, je ne peux pas assumer le destroy. Pourquoi? Peut-être parce que je suis issu d'un moule éducationnel trop rigoureux. Une pratique judéo-chrétienne qui commandait évidemment qu'on s'habille le dimanche décemment pour aller à la rencontre de son Dieu. Et pour ceux évidemment qui étaient dans les collèges d'époque, voilà, il fallait bien s'habiller, être très bien coiffé. Donc c'est une éducation non seulement familiale, mais en même temps sociétale dans le cadre des écoles que nous avons fréquentées. Ouais. Donc quand on sort de là, on ne nous a pas appris à l'école à porter de jean, à porter le destroy. Mais j'avoue que je l'ai essayé une fois et ce jour, je me suis senti très ridicule en fait. Quand je sortais de chez moi, mon père il m'a regardé, il m'a dit « Ah là, je sens que je perds mon fils. Je sens que je perds mon fils. Oui. » Dans le regard de papa, j'ai senti tout de suite une animosité, une résistance à ce choix vestimentaire-là. Et puis je me suis dit « La prochaine fois, il vaut mieux que je sois vraiment street, costard, cravate, belle chemise, beau pantalon, chaussures propres, chaussettes propres. » C'est le basique, évidemment, pour l'homme qui souhaiterait s'offrir à sa société. Donc, depuis ce moment-là, tu n'es plus jamais sorti de ta zone de confort. Tu es resté dans ta zone de confort, mais c'est toujours très bien habillé, même s'il est en jean, belle chemise. Donc, jamais sorti de ta zone de confort. On va quand même rappeler qu'être bien habillé, on peut être bien habillé en jean. D'ailleurs, on est bien habillé en jean, oui. Et en basket. Voilà, pour ceux qui ont des snacks, qui portent le snacks avec un jean, un beau t-shirt, on est bien habillé. Le plus important, c'est quel est l'effet qu'on fait aux gens. Mais c'est sûr qu'il y a certains qui sont en train de dire à la maison, mais on ne s'habille pas pour les gens, on s'habille pour soi-même. Non, c'est une hypocrisie. On s'habille toujours pour les autres. Ça, c'est vrai. Parce que le regard de la société nous habite toujours. Et c'est pour ça qu'on fait un effort d'être propre. Oui. La preuve, quand on vous surprend toujours chez vous, vous n'êtes pas très bien habillé. Ça, c'est clair. Et chaque fois qu'on sonne chez vous, à un moment, on va dire « Ah, attendez 10 minutes, j'arrive. Non, 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 attendez, s'il vous plaît. » Mais pendant ce temps, on va refaire son make-up. Tu ne me diras pas que tu es sorti comme ça aujourd'hui pour toi-même. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Parce qu'une dame qui fait 40 minutes devant un miroir, entre la base qu'on met... les fards qu'on ajuste, le fond de teint, c'est pas uniquement parce qu'on veut se faire plaisir. Ça, c'est parce qu'il y a le regard de la société, évidemment, mais qui nous renvoie notre propre image. Il y a certaines femmes qui rentrent à la maison en se disant mais pourquoi aujourd'hui on ne m'a pas trop regardé? C'est vrai, voilà. Ça arrive souvent. Ça arrive, non? Ouais. Ça arrive, on se dit, mais pourquoi? Et il y a des jours, on s'est dit, ah, on m'a trop regardé. Du coup, on sourit là comme... On a presque envie de remettre la même robe. Oui, le lendemain, ça m'est arrivé. C'est pour ça que dans... Les dressés, il y a toujours une tenue fétiche parce que chaque fois qu'on la met, voilà, on est bien regardé. Pour moi, j'étais sur les tenues fétiches. Tu as une tenue fétiche? Avant, j'étais trop men in black, voilà. Men in black. Ouais, trop noir, vêtements noirs, trop sombres. Et puis, on m'a dit d'oser les couleurs. C'est pour ça que depuis exactement 10 ans, j'ai appris à oser les couleurs. Mais avant, j'adorais le noir, être en noir, ça faisait très viril, ça faisait homme, voilà. Même si aujourd'hui, il y a... une déclinaison de ce noir-là qui renvoie aux funesses, au deuil. Mais le noir, évidemment, il est suffisamment impactant quand on met ce noir-là. Parce que le noir, en général, c'est la couleur un peu comme l'ardoise, la couleur du tableau, et chacun y met de sa littérature. Ça, là, j'ai vu un tableau devant mes yeux, carrément. Un vrai tableau. Beautiful you. Beautiful you, un vrai tableau. Ta couleur préférée, depuis que tu mets les couleurs, ta couleur préférée, c'est laquelle? Le bleu roi. Bleu roi. Le bleu roi, c'est pas parce que les bleus rois, je préfère le bleu parce qu'on pourrait croire qu'on a la prétention royale, eh bien que non, mais c'est l'intitulé de cette couleur-là. Mais c'est un bleu qui plaît, c'est un bleu évidemment qui densifie le ciel. On a comme l'impression que les personnes qui vous regardent évidemment, voyagent, c'est comme si sky is not the limit. Vous regarder, vous êtes presque un ciel, voilà. Donc c'est pour ça que j'adore cette couleur-là. Mais c'est une couleur chatoyante, c'est une couleur gaie, c'est une couleur presque féminine aussi. Hein. Parce que depuis un certain temps, les hommes ont appris à voler aux femmes leur couleur. Ça nous sort un peu du costard gris, du costard noir et du costard blanc. Oui. Voilà. Mais comme ça, il y a d'autres couleurs aussi. Oui. Et on peut porter un costard rouge corail, on peut porter un costard orange carotte. C'est, voilà. pour quel moment de la journée, ou bien ça peut se porter aussi dans la nuit, ce genre de couleur-là? Mais très souvent, à partir du moment où on hausse la couleur,
Là, je vais un peu jouer à celui qui regarde pas mal d'émissions fashion animées par les femmes. Christina Condula, on va noter évidemment ce nom pour aujourd'hui. Je sais qu'évidemment, tu regardes ce programme. Depuis des années. Elle parle parfois de fashion faux pas. Mais parce qu'avoir un homme qui va sortir pantalon orange et puis en orange, ça, c'est fashion faux pas. Grave. Comme elle dit, c'est pas magnifique. Pas du tout, c'est catastrophique. C'est même pas beautiful. C'est pas beautiful, tu imagines. Voilà. Donc, à partir du moment où on met de la couleur, il faut choisir soit le bas qui est coloré, soit le haut qui est coloré, jamais les deux en même temps. Ça, c'est un super conseil. Jamais les deux en même temps pour un homme. Même pour les femmes aussi. C'est pour ça d'ailleurs que une femme qui a une chaussure rouge corail avec un sac rouge corail, oui. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Il faut dépareiller. Il faut dépareiller. Voilà, je suis vraiment là où il faut. C'est elle, Céline, qui arrive. Il faut dépareiller. Et parlons des fashion faux pas. Il t'est déjà arrivé d'en faire. Tu rentres, tu as dit là, c'est un fashion faux pas. Je suis sortie, mais c'est un. Oui, mais parce que ce jour-là, j'ai fait confiance à un couturier camerounais. Parce qu'il y a tellement de personnes qui vous passent des coups de fil. Mais écoute, mes châtelains, je te signe une tenue. Je te signe la tenue de ta vie, du sur-mesure. Après, tu dis, il n'y a pas de souci. D'accord. Première chose d'abord, tu appelles le gars 48 heures avant le rendez-vous, il ne décroche pas. Ah, bon, et quand il débarque le jour J pour te remettre ta tenue, tu te rends compte que le pantalon d'abord, c'est pied et pied. Longueur de pied, c'est 106, alors que je suis à 103. Là, tu ne peux pas refaire, tu ne peux pas retoucher. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu mets ta tenue. Et quand tu mets ta tenue, quand tu dois prendre le micro devant les gens, tu es hors de toi, tu n'es pas dans un confort, tu n'es pas présentable. Oui, tu passes le temps à te regarder, mais pourquoi ce truc est comme ça? Pourquoi c'est froissé? Et très souvent, les costards qui sont faits sur place, le problème, c'est au niveau des épaules. Les épaulettes, tout ça. Voilà. Il faut faire très attention. Très souvent, ce n'est pas très posé. Oui. Très attention. Et même l'école aussi. Voilà. Oui. Parfois, ce n'est pas asymétrique. Voilà. Oui. Alors, ce jour, je me suis dit, c'est une première ou une dernière expérience. Voilà. Ce n'est pas pour dire que les couturiers camerounais ne sont pas suffisamment des as de la haute couture. Au contraire, il y en a. Mais ils sont hyper bookés, ils prennent plus de temps. Parce que pour qu'un couturier camerounais, un vrai cette fois, styliste tailleur sur mesure, pour qu'il vous fasse un costard, il faut moins un mois. Il faut au moins un mois, c'est-à-dire un mois à couper, un mois à essayer, à ajuster, à trouver évidemment toutes les coupes, toutes les lignes pour pouvoir donc définir votre personnalité. Parce que vous ne pouvez pas croire que le costard que j'ai vu ailleurs, c'est le même que je dois porter à chacun son costume taillé par rapport à ses mensurations. Le costume, il va presque à tout le monde, aux personnes assez une grosse corpulence. Oui, mais un petit conseil quand même, Elena, je vais donner à tous les hommes qui regardaient le programme. Oui. Et parce qu'évidemment, c'est un programme pédagogique. On n'a pas la prétention d'être des maîtres, okay? Loin de là, c'est pas. Mais on partage des expériences uniquement parce que c'est des personnes aussi qu'on a rencontrées qui nous font comprendre que dans la vie, il faut avoir des astuces. Oui. Lorsque vous avez un costard 54 habituel, osez le 52. Il sera presque sur mesure. Si vous faites du 54, osez le 52. Si par contre vous portez le 56, de temps en temps pour sortir, osez le 54. Le premier impact, c'est que ça vous moule. Le deuxième impact, c'est que psychologiquement, vous préparez à perdre du poids et à rentrer dans ce 52 ou dans ce 54. C'est un petit conseil. Alors là, les conseils aujourd'hui. Tu achètes ça ou pas? Tu achètes? J'achète. Super. Tu arrives souvent de regarder les magazines de mode où tu as un conseil vestimentaire, où c'est inné chez toi, c'est ton doigté. Bon, il ne faut pas faire faux jeu. De temps en temps, on regarde ce qui se passe ailleurs. Mais il faut regarder tous les magazines masculins que je ne veux pas citer parce que j'imagine qu'ils ne sont pas passés au service commercial pour qu'on puisse les évoquer. Et je les attends même d'ailleurs. Voilà. puis n'oubliez pas, évidemment, Beauty for You, pour ceux qui veulent communiquer, n'oubliez pas l'adresse, c'est Elena, logiquement. C'est moi, pour pouvoir avoir l'espace. Et comme ça, on va donc citer ces magazines masculins qui sont camerounais, qui sont africains, qui sont occidentaux. Vous savez, l'homme n'est pas d'Occident ou d'Afrique. L'homme, c'est un homme bien habillé partout. Donc, il suffit de regarder l'agencement des couleurs, voilà, le choix du tissu, par mimétisme aussi, par duplication. Faire évidemment comme celui qui vous a impressionné, ça permet évidemment de faire évoluer ces tendances vestimentaires. Donc logiquement, il faut apprendre des autres. Et votre épouse a-t-elle son mot à dire à vos choix vestimentaires? Oui, il m'est arrivé parfois de mettre une tenue, mais dit non, mais celle-là, ça ne te va pas. Celle-là t'enrobe trop.
prends plutôt une tenue beaucoup plus légère. Attention, tu vas à un cocktail, je suggère que tu mettes une chaussure beaucoup plus légère. Je préfère que tu mettes une chemise fleurie. Je l'écoute beaucoup aussi parce que, en fait, quand un homme sort, le premier impact, c'est sur la gente féminine. Tout à fait. Et quand c'est une femme qui vous dit ce qu'il faut faire, il faut écouter les femmes. Écoutez-nous, hein. Écoutez-nous. Nous avons des très, très bons conseils parfois. Ce n'est pas jalousie, hein. Ça fait des bons conseils parfois. Ne pensez pas que madame qui est à la maison va vous déshabiller quand vous êtes habillé sous prétexte que, une fois à l'extérieur, vous n'aurez aucun impact de séducteur. Non. Elle est au contraire pour vous aiguiller, pour vous dire ce qu'il faut mettre. Parce que c'est un regard de femme, et un regard de femme apparemment, même pas apparemment, un regard de femme, c'est un regard de Dieu. Toujours écouter les bons conseils à propos, voici la minute de l'expert. Bonjour, nous sommes dans la minute de l'expert. Aujourd'hui, nous allons parler des chaussures, monsieur. Par ici, nous avons des chaussures en peau d'animal, peau d'autruche, par exemple, là, ce sont des peaux d'autruche, peau de crocodile, faite à base de ventre de crocodile, de crête de crocodile. Ces chaussures se portent beaucoup plus pour des cérémonies, par exemple, des mariages, des présentations de vœux. Vous avez celle-ci qui est hyper habillée, elle a de l'allure, elle donne de la prestance, c'est pour des personnalités d'un certain âge, ça fait pas trop jeune, c'est pour des personnes matures. Je vous la conseillerais beaucoup plus pour des événements où vous êtes à l'honneur, pour des mariages, des remises de vœux, de trophées. Par ici, on a des peaux de lézard, une peau de lézard qui est coloré. Pour des personnes qui aimeraient sortir de l'ordinaire, du noir, peuvent casser avec du marron. C'est décontracté, c'est sans lacets et c'est aussi très bien habillé. Il y a des chaussures tout cuir à lacets, décontractées. Vous pouvez la mettre le lundi pour une réunion de bureau. Ce sont des chaussures simples de tous les jours. Par ailleurs, il y a également des peaux de lézard, mais colorées, vous voyez un peu, c'est une chaussure en peau de lézard. Elle est colorée et elle sort de l'ordinaire pour des personnes qui aiment bien le chic, le glamour. Nous avons des chaussures en mocassin, par exemple, qui peut faire demi-saison, vous mettez avec un costume demi-saison. Des chaussures à boucle également, qui se mettent bien avec des demi-saisons, même avec des costumes. Hein. Non, c'est pas uniquement demi-saisons, mais c'est plus beau porté avec des demi-saisons, des blazers, des croisés, des costumes croisés aussi, ça peut aussi aller pour des cérémonies de tous les jours, pour les mariages, cocktails de mariage. Bon, ici, on a des chaussures de tous les jours, de travail, des chaussures décontractées. Vous voyez là, ce sont des mocassins bleus, bordeaux, du gris. Ça fait beaucoup plus jeune, moins carré pour le week-end. Bon voilà, c'était la minute de l'espère. À vous de faire le choix. Je vous remercie et à très bientôt. De bons conseils d'espère. Qu'est-ce que tu en penses, Léonard? Je pense que là, le prêt-à-porter a changé au Cameroun. Il y a une véritable révolution. Donc oui. Ceux qui tiennent les prêt-à-porter, oui. Ce n'est pas uniquement des commerçants entre guillemets, sans être péjoratif. Oui. Ce sont des personnes qui se sont investies dans l'univers de la mode et qui maîtrisent. Là, par exemple, quand on fait le tour de ces experts là aujourd'hui, on se rend compte, d'abord, ils sont très bien habillés. Toujours. En plus de ça, les conseils sont hyper avisés. J'ai adoré les tenues, les chaussures qu'on a aperçues, ces chaussures en peau. Et heureusement, aujourd'hui, on ne sera pas attaqué par des associations de défense des animaux du Cameroun. On peut vous rassurer que maintenant, il y a également de très belles copies. De très belles copies, mais qui permettent évidemment de porter une belle chaussure qui simule la peau sans faire du mal aux animaux. Aux animaux. Ça, c'est une bonne information que j'ai là par rapport aux chaussures hommes. Donc, pour ceux qui adorent le pangolin du Cameroun reste protégé. Voilà. Le pangolin. Faut pas s'attaquer à ça. En plus, c'est du Covid. C'est le Covid. Hein. C'est protégé. C'est protégé vraiment. Voilà. Moi, tu es mocassin, tennis. Tu es plus quoi?
Un homme en général a la palette des chaussures larges. Il faut les avoir. Oui. Voilà. Il faut avoir les Nike, il faut avoir des baskets, il faut avoir des chaussures, voilà, un peu comme celles que je porte, Julie. Il faut avoir des bottes aussi, voilà, des bottes. Voilà. Mais tu es plus, quoi, parce que chaque personne a quand même sa préférence. Plus pour les chaussures anglaises, j'ai Art Church, voilà. D'abord, ça met long. Comme ça, vous n'aurez pas à dépenser tout votre argent chaque mois pour acheter une paire de chaussures. Oui. Avoir 5 bonnes paires de chaussures, eh bien, ça permet de traverser l'année. Donc, il ne faut pas les chercher, il ne faut pas avoir 50 paires de chaussures. D'ailleurs, j'ai vu certains de vos invités qui ont montré leur dressing. Là, il y avait 40 paires de chaussures. Je me demande, qu'est-ce qu'on fait avec 40 paires de chaussures? Une femme peut avoir 100 paires de chaussures. On en porte tous les jours. Et qu'est-ce qu'on en fait? Tous les jours, je peux porter 5 paires de chaussures. Hein. Sauf qu'il y a 4 paires de chaussures vertes. Oui. Et le feu vert pour la chaussure. Il y a plusieurs verts. Il y a vert bouteille, vert somme, vert eau, vert citron. Et ce sont les 5 verts-là. Ça concorde avec tout. Non, pour les femmes, là, ce côté-là. D'accord, les femmes, c'est vous. On vous laisse vos chaussures. Ah oui. On ne vous atteint pas à la semelle. Quand on parle de la quantité, je parle du budget. Du budget. Quel est le petit conseil que tu donneras aux hommes qui veulent s'habiller un petit budget? Ça peut arriver de s'habiller. Je rebondis sur le conseil des experts. Oui. On peut s'habiller avec un petit budget. Le plus important, c'est comment j'assemble tout ça. D'ailleurs, dans votre émission, quand on suit, il y a toujours un petit conseil. Il y a toujours un petit conseil. Un petit conseil économique. Voilà. Comment s'habiller chic, mais sans se ruiner. Sans se ruiner. Et c'est là où votre émission est extraordinaire. Parce qu'avec un budget de 100 000 francs CFA, on est capable de très bien s'habiller. On dira, mais Châtelain, comment est-ce qu'on fait avec 100 000 francs CFA? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a de très belles vestes qu'on vous vendra. C'est pas 50 000 francs CFA, tu as un beau pantalon que tu prends simplement à 25 000 francs CFA, mais tu as une belle paire de chaussettes, une belle chemise que tu pourras avoir à 20 000 francs CFA. Uniquement avec ça, on plaît déjà aux personnes qu'on croise. Parce que n'oublions pas, chic, c'est un peu du sur-mesure. Chic, c'est de la bonne couleur. S'habiller chic, évidemment, c'est choisir le vêtement dans lequel on est dans un véritable confort, oui. Un confort d'impact. Quel style vestimentaire préfères-tu chez la femme? Ben les femmes, moi, je les préfère habillées, pas déshabillées. Oui. C'est vrai qu'on nous a parlé de dos et ventre d'or. Oui. Eh bien, comme on dit, c'est fashion faux pas, ça passe pas. Ça voilà. Passe pas. En même temps, aussi, une femme qui a un décolleté complètement large et une mini-jupe, ça passe pas. Oui. Soit on dévoile le haut, on couvre le bas, soit on couvre complètement le bas et on dévoile le haut. Voilà. J'espère que j'ai bien dit. C'est-à-dire que soit on dévoile le haut et on couvre le bas, soit on dévoile le bas et on couvre le haut. Ouais. Ça, c'est important. Mais en même temps, déshabiller le haut et le bas, on est plus déshabillé qu'habillé. Donc, je préfère les femmes qui se laissent découvrir, n'est-ce pas, dont on devine les silhouettes dans les courbes du vêtement. C'est plus suggestif comme ça, c'est plus impactant. Ça nous parle, nous, mais du moins, ça me parle, moi. J'imagine qu'il y a certains qui préfèrent, évidemment, des femmes qui traversent avec quatre fentes, mais quatre fentes, c'est quand même beaucoup. Quatre fentes, c'est quatre, deux, une fente. Juste ce qu'il faut de fente. Oui. Juste ce qu'il faut de fente. Oui. Voilà. Eh bien, ça permet quoi? Ça permet uniquement de mettre la fente en valeur, parce que j'imagine que ce n'est pas un cours de prestation, de mannequin ou de top model. Eh bien que non, à partir du moment où on a une fente, il y a toujours un pied devant et un pied derrière. Le pied qui est devant va ouvrir légèrement la fente. Voilà. Et puis, il faudra évidemment bien gérer le croisé des jambes, tout ça, lorsqu'on a une fente. Voilà. Ah oui. J'adore le croisé. Elle n'a pas de fente, mais comme ça, là. Ce n'est pas encore du Sharon Stone, mais c'est déjà du Helena. Merci. Et c'est reconnu en Afrique que les Camerounais sont beaux gosses, les filles sont belles gosses, n'est-ce pas? Merci. On s'habille chic. Alors, il y a le raffinement au Cameroun. Mmh. Le Cameroun, d'ailleurs, la preuve, c'est que lorsqu'on regarde les personnalités du Cameroun, ben, on comprend tout de suite que ces personnalités s'habillent très, très bien. Tu as quelques personnalités qui t'ont marqué. Est-ce que je pourrais épuiser quelques noms. La liste Quelques noms, tout simplement. Parce qu'il y a autant de Camerounais que de fringueurs aujourd'hui, parce que s'il faut les citer. Oui. Mais je veux dire, il faut s'habiller comme Samuel Eto'o, par exemple. Voilà. Coucou, Samuel Eto'o. Rigobert Sombarnac. Hello, Rigobert Sombarnac. Je citerai avec qui d'autre encore parmi les personnes qui s'habillent très bien, peut-être hors du Cameroun, mais tu mettras Drogba aussi. Oh. Voilà, ça s'habille très Drogba. Bien. Hello, Drogba. Bonjour. Maintenant, pour monter en pyramide au niveau d'ailleurs de la classe politique du Cameroun, oui, eh bien, je citerai l'ex-ministre Edgar Lemebengor. Voilà. Ah, bonjour.
où qu'ils soient, qu'ils nous reçoivent à l'extérieur, bébé, nous savons évidemment qu'il a montré aux Camerounais l'art de nouer sa cravate, oui, et l'art d'affiner sa pochette. C'est du Edgar Allan Bengo. Une signature. Une véritable signature. Ouais. Vous voyez que ça ne vient pas de moi, même les femmes le savent. Ah, si. Qu'il s'habille chic, il s'habille bien. Oui. On va citer le ministre Mbargamboua. Bonjour, monsieur le ministre Excellence. Voilà. Qui s'habille très très bien. Oui. Le premier chic de la République. Le président de la République, son excellence Paul Biya. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le chef de l'État, d'ailleurs, il est initiateur d'un col aujourd'hui qu'on appelle le col Popol, le col Paul Biya. Le col Popol, avec col beaucoup Paul plus Biya. De respectabilité. Oui. C'est un col suffisamment élargi, voilà, mais qui habille. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé les dernières images de Samuel Eto'o fils, pour ceux qui regardent Hervé Emmanuel Combes, eh bien, oui. Hervé Emmanuel Combes, évidemment, parmi les fringueurs camerounais aussi. Oui, oui. Hervé Emmanuel Combes, bonjour président. Bonjour président, bonjour Emmanuel Combes. Donc, ce col-là, c'est le col Paul Biya, il a réussi à imposer un col. Un peu comme l'ex-président français François Mitterrand qui avait imposé le bleu Mitterrand. Mais lui, il y a un col Paul Biya. Et puis, il y a un code également Paul Biya au niveau du vestimentaire. C'est l'un des rares à se mettre debout, droit. Et si vous regardez très bien, le costard est taillé de telle manière que vous avez la chemise qui déborde de 0,5 cm, évidemment, ah oui, entre le costard et la chemise. Alors, ça, avoir une chemise là, oui, et un costard qui arrive là, en bout de doigt, forcément, ben, ça ne passe pas. Il y a beaucoup de personnes qui s'habillent comme ça. En plus de ça, tu verras des personnes qui vont s'habiller, non seulement ça va déborder, en plus, ils laissent la griffe du costard. Bon, il faut enlever la griffe du costard. Oui. S'assurer, même si on a acheté un costard qui déborde, il faut le réajuster, il faut voir un maître tailleur, n'est-ce pas, pour pouvoir le mettre à la bonne dimension. Ça permet au costard de rester là. Regardez bien le chef de l'État camerounais lorsqu'il est placé, lorsqu'il est debout, les mains tendues le long du corps. Vous verrez bien sûr que là, il y a un débordement des 0,5 cm parce que c'est taillé sur mesure. Il y a le choix du tissu, il y a la chaussure qui va avec, il y a la cravate qui va avec. Mais on sent que derrière le grand homme, il y a une grande dame qui veille. On a dit, écoutez les femmes. Écoutez les femmes, ça veut dire qu'elle écoute tout à fait. La première dame s'est investie aussi dans le fashion, elle qui était mannequin. Oui. Je dois dire bonsoir à un maître couturier du Cameroun. Oui. Là, c'est Black Design. Oui. C'est pour ça que par la première dame, on voit la forme du Cameroun et par le chef de l'État, on voit les beaux gosses du pays. Tiens, tu as une belle montre. Ah ben tiens, je n'avais pas constaté que j'avais une belle montre, j'ai juste une montre. Oui. Voilà. Ça veut dire que tu es accessoire ? Tu es des accessoires ? Pas trop d'accessoires. Parce qu'évidemment, avoir des personnes qui vous mettent 4 bracelets, 2 montres, forcément ça ne passe pas. Il y a forcément 3 bracelets de trop et une montre de trop. Je suis plus porté à porter des montres là. Des foulards, des chapeaux. Pas de chapeaux. Les chapeaux ne me vont pas. Ah d'accord, tu n'as pas une tête au chapeau. J'ai pas une tête à chapeau. Une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on voit des gens avec des chapeaux qu'il faudrait absolument mettre des chapeaux. Oui. Si moi je mets un chapeau tout de suite là, je passerai une heure à me regarder parce que je veux me rassurer que ce chapeau est véritablement à sa place. Mais comme je sais, a priori, que le chapeau ne me va pas, je préfère toujours être sans chapeau. Un téléspectateur qui m'a demandé spécialement, il s'appelle Olivier, il m'a demandé spécialement, comment tu fais pour l'effet lame là? Comment tu fais? Quels sont les processus quoi, pour se raser? Pour avoir toujours une belle peau. Ah ouais, je sais pas si je dois donner mon secret, les gars, tout ça. Oh, moi, parce que là, ils demandent un secret. Tu veux pas faire secret, que je me mette à genoux quand même pour. Non, loin de là, parce qu'en fait, si je donne mon secret, mais c'est lui qu'on verra demain, et plus moi, forcément. Donc, il faut qu'il reste avec ses boutons et que moi, je reste avec ma joue suffisamment lisse. Non, je blague, forcément. D'accord. Il faut intégrer le fait que se raser avant le bain, oui, eh bien, ça irrite le poil. Parce que le poil il est dur, la peau elle est sèche, il est recommandé de se raser après le bain. Mais parce qu'entre temps, l'eau qui dégouline sur votre corps a rafraîchi non seulement la peau, oui, a assoupi le poil et, oui, a activé la circulation sanguine. Oui. Donc il y a se raser et puis évidemment se raser avec une lame neuve. Et puis juste après, on n'est pas forcément obligé d'avoir des aftershave coûteux ou alors une mousse à raser coûteuse, juste ce qu'il faut de mousse, mais le plus important. Après le rasage, il faut absolument passer une serviette tiède au niveau du menton pour arrêter le feu de la lame. C'est un petit conseil que je donne. Ça peut marcher pour certains, mais ça marche très souvent d'ailleurs
parce que c'est testé et approuvé. Et tu fais soit des soins à la maison, soit même tu le fais à la maison, mais tu vas chez un barbier. Je le fais moi-même à la maison, il faut avoir son petit nécessaire à la maison. On ne sort que pour la coiffure, on sort peut-être pour la manucure, la pédicure, voilà, mais le reste, on le fait à la maison. Tu étais un jeune homme assez toujours apprêté, tu prenais soin de lui, ou bien c'est au fur et à mesure que le temps venait, et si tu avais un modèle? Non, je t'ai dit tantôt que je suis issu d'un moule éducationnel familial suffisamment très strict. Oui. Voilà. On nous a appris déjà à bien nettoyer sa chaussure, oui. Choisir ses chaussettes, le pantalon. Oui. Donc c'est très jeune que ça a commencé. Très jeune que ça a commencé. Donc j'arrive dans une profession qui exige plus encore du vestimentaire que d'autres professions. Je ne dis pas que notre profession est exceptionnelle, mais le fait quand même de prendre la parole en public, bref, qu'on présente bien, pour bien présenter des produits qui nous sont suggérés. Et pour ça, il faut une tenue vestimentaire. Mais déjà, dès l'enfance, je peux te rassurer pour répondre à ta question que ça a commencé très tôt. Ça, c'est super. Ça veut dire que commencez tôt et vous seriez comme ça. Ça, c'est... Mais c'est une culture. Je ne sais pas si Léona peut nous faire un petit défilé de mode, nous montrer quelques tenues qu'il aime bien. Mais c'est vrai que dans ma vie déjà, j'ai fait télé, j'ai fait radio, voilà. J'ai fait un peu de musique. Là maintenant, je fais un mannequin, c'est une grande première. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas à Beautiful You? Voilà, merci, je suis honorée. Grosse exclusivité, Léona Châtelain à Beautiful You, le défilé. L'émission est finie, ouais.